je vous propose une routine de gymnastique. Alors, cette fois-ci, avec un accessoire. Donc, si vous avez un ballon assez souple, parce qu'on va presser dessus. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre des grosses chaussettes ou plusieurs chaussettes que vous enfilez les unes dans les autres pour pouvoir avoir une espèce d'objet assez souple à presser. Bien, et bien, je mets la musique. Nous commençons. Donc, vous pensez ici à avoir vos genoux à hauteur de vos hanches, les pieds et talons ici sous vos genoux. Pour ceux qui sont en fauteuil, vous mettez bien les cale-pieds. Soit vous avez les jambes serrées, soit écartées, cela m'est égal pour l'instant. Vous vous mettez à l'aise. On pense à bien remonter le plancher pelvien. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale, surtout quand on va souffler. Puisqu'on avait dit que ici, quand on inspire, le diaphragme ici descend et en soufflant, il remonte. Donc, il va falloir faire communiquer ici et la respiration et le travail du centre du corps pour bien tenir ici tout le centre. On relâche bien les épaules, on se grandit, on est bien assis sur les ischions, les deux petits os là, enfin les deux grands os qu'on a sous les fesses. Et étirez bien ici votre colonne. Mettez de l'air entre chaque articulation, entre chaque vertèbre. Allez, on se grandit, on se détend. On prend le temps d'inspirer et de souffler. Prenez le temps. On inspire par le nez. Et en soufflant, on peut commencer à contrôler le centre pour voir quand je souffle, je remonte le plancher pelvien. Et une dernière fois, j'inspire et je souffle et je commence. J'inspire en soufflant, je penche la tête sur le côté et je reviens. Et tête sur le côté. Et on inspire et je souffle, je tire et je reviens. Toujours en douceur, vous soufflez et vous revenez. Et encore, vous soufflez et on inspire et soufflez et replacez. Et une dernière fois, de chaque côté, vous revenez. Et soufflez et replace et on tourne la tête d'un côté et je reviens. Menton au-dessus de l'épaule et je replace. Toujours en douceur, je regarde d'un côté et je reviens. Inspirez bien et soufflez bien. Et encore. Et sur le côté. Et revenez. Et sur le côté. Et replacez une dernière fois. Et sur le côté, je souffle. Je reviens, j'inspire. Et je souffle. Et je replace. Je monte les épaules. Et je glisse. Les omoplates vers le haut. Et les omoplates vers le bas. Prenez le temps d'inspirer. Continue à bien étirer son dos. On peut serrer légèrement le ventre et engager un petit peu le plancher pelvien pour bien sentir ici le centre du corps. Et je reviens. Et encore. Et monter. Et replacer. Et monter les épaules. Et revenir. Et vous montez. Les mains un petit peu en arrière ici, les bras loin, 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 les mains loin des épaules, on s'étire, hop, et on replace. Je prends le temps d'inspirer et en soufflant, j'enroule la tête, les épaules, je réveille mon dos, je vais loin en avant, je détends le poids de la tête et des bras, j'inspire,
En soufflant, je déroule progressivement chaque vertèbre, les unes après les autres. Et je reviens. J'inspire et j'enroule la tête, les épaules. Je relâche tout en avant. Détendez bien. Inspirez. Et en soufflant, vous déroulez lentement, 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 lentement. Et vous replacez. Et encore. On inspire et vous soufflez, vous enroulez. Et on est en temps d'inspirer, de souffler, de dérouler lentement, vertèbre après vertèbre. Et une dernière fois. Inspirez et enroulez, relâchez. Inspirez. Et en soufflant, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Bien. Nous prenons le petit ballon, la petite balle ou les chaussettes, comme vous le souhaitez. Et je prends ici la balle loin devant moi. J'étire et je fais des tout petits cercles. J'inspire et je souffle. Je serre un petit peu le ventre. Et j'engage ici le plancher pelvien. Et tout petit, hein, je décris un petit cercle devant moi. Et j'inspire et je souffle à mon rythme. Et petit rond. Et petit rond. Et dans l'autre sens, inspirez bien et soufflez bien. Et on étire toujours ici son dos, la tête loin du coccyx, petit cercle, inspirez bien, hop, et soufflez bien, impeccable. Je ramène le ballon vers moi et j'étire, je souffle, je ramène, les coudes sont alignés ici au ballon, hop, et j'étire loin, et je plie, et loin, et je ramène, et j'étire, et je ramène. Les bras, je replace les bras, et je ramène, et encore, hop, je ramène, et j'étire, et je ramène, et j'étire, et je dépose ici, je vais chercher le bras, léger, j'étire la main loin de l'épaule, le regard à l'opposé, et je reviens, je ramène ici le coude au niveau de la taille, le poignet ici est aligné au coude, et je souffle et j'inspire, je souffle. Et j'inspire, je continue à bien me grandir et je replace et ramène et replace, ramène et replace, ramène et refaire et encore. Ici je travaille le biceps et je garde la même position. Ici angle droit, hop, et je reviens. D'accord ? Ici j'inspire. Souffle. Là c'est pareil, c'est l'amplitude que vous souhaitez et vous replacez. Hop, et je ramène. J'inspire et je ramène. Et je replace. J'inspire et inspirez et ramenez. Inspirez et ramenez. Et hop. Et inspirez et replacez, étendez le bras et de l'autre côté, le coude à côté de la taille, en angle droit. Et je ramène et je replace. Ramenez et replacez. Et donc on travaille le biceps et je ramène et je replace. Je continue à serrer un petit peu le ventre, à remonter le plancher pelvien et je me grandis, je baisse bien les
votre place. Hop, et je reviens en angle droit. Je monte aussi ce coude à hauteur de l'épaule. Et je vais chercher loin et je ramène. Et on continue. Et je vais chercher pas trop loin derrière. Je reviens. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et inspirez. Et soufflez. Vous replacez. De là, vous croisez ici les mains aux épaules. Et relâchez le poids en avant sans trop tirer sur les épaules. Inspirez bien et soufflez bien. Relâchez le poids des bras et revenez. On travaille les obliques. Les bras ici sont tendus devant soi et ces petites torsions. Donc là, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, on remonte le plancher pelvien, on baisse les épaules et on dégage bien ici au niveau de la tête. J'inspire au milieu. Je souffle et je fais une torsion. Et je reviens. Là, mon bassin est fixe. Hop. Et je fais travailler ici en torsion mes obliques. On inspire. On souffle. On serre bien le ventre. On engage le plancher pelvien. Et je replace. Et encore. Je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et soufflez bien et replacez. Et un dernier, on souffle dans la torsion, j'inspire au milieu, je ramène toujours le nombril vers la colonne vertébrale, j'engage le plancher pelvien et je replace et je reviens. De là, j'étire sur le côté, étire ici au niveau des obliques et je reviens. Et inspirez et soufflez, la tête est dans l'alignement. J'étire et je replace. Je peux le faire aussi sans le bras. J'étire ici sur le côté, mais vous serrez le ventre et vous engagez le plancher pelvien à partir du moment ici où on penche et où il y a les torsions. Hop. Et je reviens et je me détends. Je relâche bien le poids de la tête, des épaules, des bras. Inspirez bien et soufflez bien. Et vous déroulez. Bien. Ce ballon, maintenant, nous le mettons entre les genoux. On continue. On se grandit. Laissez bien les épaules. On inspire et en soufflant, on presse ici les deux genoux l'un vers l'autre. Je souffle. Je serre le ventre. J'engage le plancher pelvien. Je relâche la pression. J'inspire et je presse. Je fais travailler l'intérieur des cuisses et je relâche tranquillement. J'inspire et je presse. J'inspire et je relâche. J'inspire et je continue à m'étirer, je monte le plancher pelvien, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale et je relâche. Et encore une fois, inspirez, pressez et revenez. On inspire et pressez. Vous détendez tout le haut du corps. Encore là, on mobilise vraiment les adducteurs et j'inspire et et je replace. Et encore, j'inspire. Là, c'est pareil, vous faites en fonction de vos capacités. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10. Vous pouvez en faire 5. C'est vous qui choisissez, en fonction de l'état dans lequel vous êtes. On inspire et je presse. Et je reviens. Et le dernier, j'inspire et
un petit peu ici. Voilà, grandissez-vous, inspirez bien et soufflez. Là, nous travaillons à l'inverse, donc on peut déposer ici le ballon, on prend ici les genoux, on se grandit. Tout à l'heure, on a resserré et là, on va écarter. Mais en écartant ici, pour faire travailler l'extérieur ici de cuisse, vous allez résister. On inspire et en soufflant, j'essaie d'ouvrir mes genoux, mais mes bras ici et mes mains en résistance. Et je relâche. Si vous n'avez pas trop de force dans les bras, vous poussez ici et vous sentez qu'il y a une contraction qui s'effectue ici. Je tire, je pousse et je relâche. D'accord ? J'inspire et j'écarte. Ici, je serre toujours le ventre, j'engage le plancher pelvien et je détends. J'inspire et mes jambes veulent s'écarter, mes mains veulent se replacer l'une vers l'autre et je relâche. Et encore. J'inspire et on ouvre ici, on essaie d'écarter. Les deux genoux loin l'un de l'autre, les mains se rapprochent et on relâche. Et encore, j'inspire et relâche. Et encore, j'inspire et vous écartez. Et vous relâchez. Et on gagne toujours le centre quand on va. Allez, c'est parti. Éloignez les deux genoux. Je souffle. Et je relâche. Et le tout dernier. J'inspire et je relâche. Bien, détendez les jambes. Vous pouvez faire trembler ici. Ou alors, hop, vous massez. Vous massez bien vos jambes. Dessous, dessus, sur les côtés. Hop, massez. Ok, et on détend. On fait travailler le psoas ici. Donc, on monte le genou et on revient. On peut s'aider pour remonter. Je souffle et je dépose. Et on inspire. Je monte. Et je pose. Et je monte mon genou. Et je le pose délicatement. Et je monte. Et je pose. On fait la même chose avec la jambe gauche. Et je monte. Et je replace. Et on peut s'aider de la main. On monte. On continue à s'étirer. Hein. Et je replace. Prenez le temps d'inspirer, de souffler dans l'effort et vous replacez. Et encore, inspirez et soufflez. Et on dépose. Et le dernier, j'inspire et soufflez. Et replacez. Là, c'est pareil. Détendez bien. On retravaille les pieds maintenant. Hein. On peut essayer de faire la demi-pointe, la pointe, la demi-pointe et là. On pose et on peut ramener les orteils vers soi pour flex et on refait. Demi-pointe, pointé, demi-pointe, poser le talon, ramener les orteils vers vous et replacer. Et encore, demi-pointe. Si ces mouvements-là ne peuvent pas être faits par votre pied, faites-le avec votre tête. Imaginez et replacez. Et une dernière fois, demi-pointe. Pointez fort les orteils. Demi-pointe.
poser le talon et ramener les orteils et on revient. Et même chose, demi-pointe. Je vais le faire de profil, demi-pointe, pointé, demi-pointe, poser le pied, ramener les orteils et replace. Demi-pointe, pointé, demi-pointe et flex, ramène les orteils et replacer. Et encore, demi-pointe et pointé, demi-pointe et on continue à bien se grandir. Et les orteils. Et puis la dernière fois, demi-pointe et pointé. Gardez bien l'alignement de la cheville avec vos orteils et vous ramenez. Hop, et vous replacez. Maintenant, on fait des petits cercles avec le pied, ici vers l'en dehors. Hop, lentement. Et on change de sens. Et petits cercles. Là, c'est pareil. Vous en faites hop, comme vous souhaitez. Là, j'en fais 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On peut en faire un peu moins si on souhaite. Même chose de l'autre côté. Et petit cercle. Voilà, vous prenez le temps ici de bien faire travailler votre cheville. Hop, dans un sens. Puis, hop, on change de sens. Et je continue à me grandir. Et petit. Se détend. On relâche bien le poids de tout son corps en avant. On se détend. Et on prend la balle, hop, et on déroule. Ici. Donc là, on va appuyer cette balle ici sur ses jambes pour masser son corps. D'un côté, puis l'autre, et vous massez ici. Voilà, c'est vous qui choisissez où vous voulez masser. Donc là, ça fait beaucoup de bien ici au niveau du sternum. Là, on peut appuyer et vous pouvez. Comme une savonnette, vous passez ici votre ballon sur toutes les parties de votre corps pour masser et détendre. Alors l'idéal évidemment, hein, dans le dos, ici, ça serait qu'on nous le fasse. Mais là, on se le fait tout seul. Ici, tout petit. Là, j'aimerais que ce ballon vous amène sur le côté et au plus loin que vous puissiez, hop, vous le remettez dans votre main. Hop, la main ici revient à sa place et on la suit du regard. Et on regarde le ballon, hop, il vient se placer dans la main. On regarde la main et on revient sur le côté. Et encore une fois, je regarde le ballon. Je reviens ici et ma main s'étire et je vous place. Et une dernière fois, étire. Si vous n'avez pas trop d'amplitude, hein, vous le faites à votre rythme et vous pouvez aussi, hein, le faire parcourir devant. Pose le ballon et je monte un bras. J'étire.
et j'étire, je souffle et je glisse et je reviens. Et l'autre bras, j'inspire et je souffle et je reglisse. Et encore une fois, je souffle et je reviens. J'ai les mains loin ici, j'enroule le long de mon dos et je presse en avant, loin, loin devant. Vous mettez les mains comme vous le souhaitez, hein, d'accord ? L'intérêt ici, c'est que vous enrouliez le haut du dos. Et vous replacez. Ouvrez ici et allez chercher, pas trop loin, hein, baissez les épaules et tirez-vous. En avant, laissez le poids de la tête en devant, ici, relâchez tout, inspirez bien et soufflez bien, et je me déroule lentement, lentement, et je me replace, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois.